Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau quiz de Quizzie. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances sur une variété de sujets, allant de la géographie à la musique, en passant par la littérature, le sport et autres. Vous pouvez jouer seul, en famille ou entre amis. Voici comment ça va fonctionner. Je vais poser une série de questions et vous aurez 12 secondes pour y répondre. Durant les 5 premières secondes, vous n'aurez pas d'indice. Puis, ensuite, apparaîtront 4 propositions de réponse. Si vous répondez dans les 5 premières secondes, vous remportez 3 points. Si vous répondez une fois que les propositions sont apparues, vous obtenez 1 point. Il y aura un total de 25 questions, donc un score maximum de 75 points si vous trouvez toutes les bonnes réponses avant l'apparition des propositions. Pensez à partager votre score dans les commentaires et à vous abonner pour apprendre toujours plus en vous amusant. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quel pays a construit et utilisé les premières bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale ? Les États-Unis. Dans quel pays se trouve le parc national de Yellowstone ? Aux États-Unis. Qui est l'auteur de la trilogie Millennium ? Stieg Larsson. Quel acteur a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film The Revenant en 2016 ? Leonardo DiCaprio. Qui est le joueur de tennis avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple ? Novak Djokovic. Quel est le terme utilisé pour désigner un mot qui a la même sonorité qu'un autre mais une signification différente ? Un homonyme. Quelle est la plus petite particule d'un élément chimique ? L'atome. Dans quel pays se trouve la ville de Prague ? En République tchèque. Quel compositeur a écrit la fameuse 9e symphonie ? Beethoven. Qui est l'auteur du roman Madame Bovary ? Flaubert. Quelle était la capitale de l'Empire byzantin ? Constantinople. Quel est le pays d'origine du tango ?
l'Argentine. Quelle équipe a remporté la Coupe du Monde de handball masculin en 2021? La France. Quel est le plus grand prédateur terrestre? L'ours polaire. Quel acteur a interprété le rôle de James Bond dans Casino Royale en 2006? Daniel Craig. Quelle est l'unité de mesure de la force? Le Newton. Qui a été le premier président des États-Unis? George Washington. Au basket, combien de pas peut-on faire avec le ballon sans dribbler? 2 pas. Quel acteur a joué le rôle de Tony Montana dans le film Scarface en 1983? Al Pacino. Quelle est la figure de style qui consiste à donner des caractéristiques humaines à un objet inanimé? La personnification. Quelle pierre précieuse symbolise le 60e anniversaire de mariage? Le diamant. Quelle équipe a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? L'Allemagne. Quel groupe a enregistré la chanson Hotel California? Eagles. Combien y a-t-il d'accents sur les voyelles en anglais? 1. Qui a été le premier président de la 5e République française? Charles de Gaulle. Et voilà. C'est déjà la fin de ce quiz, j'espère que vous avez appris plein de choses tout en vous amusant. N'oubliez pas de commenter votre score et de partager cette vidéo avec vos amis pour les défier. Nous avons encore beaucoup de sujets passionnants à couvrir, alors assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir participé et à très vite pour de nouveaux quiz en tout genre.